Tu regardes quoi? Regarde, j'ai trouvé une annonce d'appart incroyable. T'as vu? 100 mètres carrés, place des Vosges. Ça coûte que 500 balles par mois. Arrête! Et si, parce que c'est un mec, un prince, genre, qui est pas là le reste de l'année. Alors, je me suis permis, parce qu'en vrai, il fallait juste lui envoyer un Western Union, mais parce que tu vois, il veut pas se déplacer pour faire la visite. Ok. Si je suis pas sûre de le prendre, donc j'ai juste envoyé 1000 euros, tu sais, c'est genre la caution et le premier mois de loyer. Comme ça, on va le rencontrer et normalement, on va l'avoir direct. Ok, très bien. Il t'a pas répondu encore? Ouais, il m'a pas encore répondu. Il a bien reçu le Western Union? Nickel. Ok. Arnaque. Lina, 5 ans, malade d'un cancer, si tu partages ce statut, 1 euro sera reversé pour sa guérison. Ah bah, faut le faire. Putain, bah oui. Bah ça se fait pas. Bah évidemment. Bah elle a un cancer, elle a que 5 ans. C'est bien, la photo on dirait, je l'avais déjà vue. Ah mais elle était, regarde, elle était déjà malade en 95. Bah elle a jamais été soignée. Elle a pas guéri, et puis elle a pas grandi non plus. Bah elle peut. Ouais mais moi je me sens mal de pas... Non mais on va le faire. Hop, 1 euro. Je trouve ça abusé de tomber dessus. Et de pas le partager et de faire genre, oh j'ignore les gens qui ont des cancers, enfin ça se fait pas. Non ? Arnaque ! Oh là là, t'étais au courant que Facebook va devenir payant ? Non. Bah si, regarde, il faut absolument copier-coller ça en statut. Mais dépêche-toi ! Sinon Facebook va devenir payant. Oh putain, en plus ils disent avant demain. Attends, je l'envoie à tous mes contacts, c'est sûr. Ah mais putain, il m'avait fait la même avec MSN. Et c'était devenu payant ? Bah non, parce que t'avais copié-collé. T'avais changé? Bah non, j'avais pas copié-collé justement. J'ai eu trop peur, j'ai pas envie de payer pour avoir Facebook. Mais t'imagines? Mais moi j'ai jamais enlevé MSN de mon ordi, ça veut dire que peut-être je paye. Tu payes. Oh, vérifie tes comptes. Ah, dépêche-toi, viens, on partage. Bah attends, mais je vais te faire. Vas-y, fais-le, prends ton téléphone. Bah heureusement qu'on l'a vu passer. Bah parce que sinon, comment on aurait fait? Bah ça m'aurait coûté une fortune. Arnaque! Je viens de gagner un téléphone. Oh putain, c'est le dernier smartphone. Ah, mais il est trop cher celui-là. Mais quand j'ai de l'assurance. Mais ça, toi tu faisais rien. T'étais là, sur ton ordi tu faisais rien du tout. Rien. Aucun match. Et ça arrive. Genre ça. J'ai vraiment l'assurance. Incroyable. Et alors il faut que tu fasses quoi? Bah je dois cliquer, aller sur le. Ah putain, attends, ça m'a ouvert 4 fenêtres. Attends, faut que je remplisse un formulaire. Ah ouais, c'est long putain. Mais fais-le. Je suis désolée, j'ai gagné un téléphone. Bah le téléphone, bien sûr, je vais le faire. Et tu sais combien il coûte? Bah attends, évidemment. Il coûte genre 1200 euros. Faut que je donne mon RIB. Ah bah évidemment, je dois rentrer mon RIB, sinon comment il me donne l'argent? Ah oui. Je dois donner mon code de carte bleue. Ouais. Donne les deux. Dans tous les cas, t'es sûr de l'avoir comme ça. Putain, je vais recevoir un téléphone. Wouah! Trop de la balle. Vas-y, partage. Bah non, et bon, moi, j'étais la 100 millième visiteuse du site. Désolé. Ah, t'étais la 100 millième. Enfin, parce que maintenant, c'est... Ah ouais, moi, je serais allée sur le site, genre, de 2 secondes avant toi, c'était... Et moi, surtout qu'en plus, j'ai pas demandé à y aller. C'est le site, il s'est ouvert direct. Et j'étais la 100 millième visiteuse, donc vraiment... Ah ouais. C'est vraiment de la chance, hein. Abusé, putain, t'as trop de chance. Quoi? Arnaque! Putain, mais meuf, t'as vu, il y a Jérémy qui nous envoie un mail, il est trop badant, genre. Je suis coincée en Afrique. Oulala! Envoyez-moi des sous par Western Union. Le pauvre! Le pauvre! Ah, il peut pas appeler et tout. Ah, il peut rien du tout. Il peut rien faire. Comment on sait que c'est lui? Parce que c'est pas son adresse. Ah! Mais non, mais je me suis piraté. Ah oui, il a piraté mon truc. Bah, non, mais je vais le cacher. Il me remboursera, c'est pas grave. Enfin, c'est combien? 200 balles, il dit. 200 balles en vrai. Il est coincé, il peut même pas utiliser son vrai Facebook. Donc il doit envoyer. Ni Facebook, ni. Là, il doit avoir tout qui est piraté, tu sais. Ni un téléphone, il peut pas aller à une cabine téléphonique, demander un téléphone à quelqu'un. Ça a l'air. Ouais, ça a l'air chaud. Mais par contre, il a eu le temps d'envoyer un mail avec une autre adresse pour me demander de la thune. Parce que quand même, il est débrouillard. Il est quand même débrouillard. Arnaque. T'as reçu aussi le mail des impôts, toi? Non, mais j'en ai eu un de la sécu. Ah, moi c'est un... C'est bizarre parce que leur adresse, c'est @outlook.fr. Genre, les impôts, ils sont... Ah, j'avoue. Moi aussi, j'ai vu qu'il y avait un espèce de truc un peu chelou. Mais apparemment, j'ai trop payé et ils me doivent 500 balles. C'est cool. T'es bien, je te jure. Moi, la sécu, pareil, mais genre 100 balles. Bah, c'est bien. Je suis moins bien quand même. Tu vois, mais pareil, ils m'ont dit qu'il y avait un trop perçu et tout ça. Et du coup, qu'il fallait que j'envoie mon code carte bleue. Ouais. Bah, tu l'as fait. Bah oui. Voilà. Prends-le comme un cadeau. Bah oui, c'est sûr. Prends-le mais comme un quand même, en vrai, je m'attendais quand même pas à ce que les impôts ils soient sur Outlook.fr. Mais c'est un peu bizarre, mais en même temps. Bah oui, mais il y a écrit quoi? Il y a écrit un peu gouv en haut. Ouais, un peu gouv. Un peu gouv, normal. Bon, après, il y avait des fautes d'orthographe un peu dans le mail, mais bon. Je me suis dit, peut-être elle a fait des fautes de frappe et tout ça. Ah, ouais, parce que moi aussi, elle a fait à la sécu, mais en vrai, je veux dire, c'est des gens comme des autres. Oui, c'est des gens comme les autres, ils ont le droit d'avoir des failles. Mais bon, puis quand j'ai voulu répondre, c'était une adresse pas attribuée. J'ai voulu demander des infos, il y avait pas de numéro de téléphone. Ça doit être normal. Ouais, c'est bon. Tu vois, si ça t'arrive à toi, ça m'arrive à moi, c'est que c'est normal. Non, oui, bah c'est bon, c'est normal. C'est bon. Mais t'as reçu les sous déjà? Mais c'était quand? Il y a un mois. Arnaque! Tu vas voir, ça fait trop bizarre. Oulala. Envoie cette lettre à 28 personnes d'ici 10 minutes et appuie sur F6 demain à 23h. Le nom de la personne que tu aimes apparaîtra à l'écran. Mais ils vont me dire moi qui j'aime. Ouais. Ah mais c'est trop. Attends, c'est pas fini. Parce que si tu ne l'envoies pas, ta vie finira ce soir. Arrête.
Si tu le fais, tu auras du bonheur toute ta vie jusqu'à ta mort. Dans tes histoires d'amour. Utilise copier-coller, sinon ce sera illisible. Ah, faut envoyer à 28 personnes. 28 personnes. Oh non, mais j'ai trop peur, putain. Vite, vite, copier-coller. Arrête, attends, tu prends pas les bons trucs. Attends, copier-coller, copier-coller. J'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Mais bon, mais c'est le temps. Oui, mais par contre, faut que je mette. Oui, mais faut que je mette un réveil demain à 23h pour aller pour faire F6. Ouais, j'avoue. Ah non, mais ça, c'est peut-être juste un bonus. Comme moi, l'autre fois, par exemple, il y avait un post sur Facebook et il fallait que je tape 4 pour voir un visage apparaître à l'écran. Ah ouais. Bah, en vrai. Il n'y avait pas de visage, mais ça n'a pas de conséquences. Arnaque ! Voilà, j'espère que ce tuto arnaque vous aura plu. C'est important de ne pas se faire avoir. Voilà. Je vous laisse parce que moi, je vais aller agrandir la taille de mon pénis. Oui, parce qu'ils lui ont envoyé un post pour lui dire si vous voulez agrandir la taille de votre pénis, c'est possible. Vu que Camille a un tout petit pénis. Ouais, tout petit. Autant qu'il soit plus grand. Ouais, exactement. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres conseils pour ne surtout pas vous faire arnaquer. Sur la toile. De rien.